Alors, aujourd'hui, pour honorer la mémoire du fondateur de notre école, William Storm Krokenberger, nous nous rendons dans sa maison natale, loin d'ici. Oh, madame, madame, c'est vrai que le fantôme de William Storm Krokenberger hante les couloirs de l'école précisément ce jour de l'année? Et qu'on part en excursion à cause de lui? Évidemment que non! Alors pourquoi on quitte l'école? Réfléchissez, les gens! Il y a un fantôme tout le temps. Allez, essayez de se rendre dans le bureau de la principale. Ok, tu n'as rien à dire pour ta défense. Ma défense? Les dessins. Je vois pas le rapport entre ces dessins et moi. Eh bien, je suis sûre que tu es l'auteur de ces caricatures. Je suis incapable de dessiner si bien. Tu te trompes de coupable. Oh, tu crois? Alors, comment expliques-tu que j'ai retrouvé ta casquette sur les lieux du crime? Coïncidence. D'accord, d'accord. Écoute, je te laisse une dernière chance. Tu signes cette lettre d'aveu et je ne serai pas trop dure avec toi. Mais si tu ne signes pas, tu seras privé de pique-nique du fondateur. Quoi? Je ne signe rien du tout. Si tu signes. Non, je signe pas. Stop! Tu ne me laisses pas le choix. Je vais appeler la principale. Quoi? Tu bouges pas. Même pas peur. Et attention, je t'ai à l'œil. Ouh, j'ai la frousse. Oui, il prétend toujours être innocent. Oh non, 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 je suis sûre que c'est lui. Ça ne prendra pas longtemps, il va passer aux aveux. Ne t'avise pas de faire un pas de plus. Brittany, du calme. Tu es paranoïaque. Je ne vais pas me sauver en courant.